C'est l'heure maintenant de saluer une de vos initiatives, hein, celle que vous nous envoyez chaque jour, quasiment, à travers vos vidéos. Eh bien, aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Frédéric, qui va nous parler de son association, dont on avait déjà parlé lors de sa création avec Olivia, association qui sensibilise et forme les jeunes en difficulté au métier vert. Pas n'importe lequel, métier vert. PA, ça veut dire penser, parler, partager, agir. C'est une association qui a été créée en 2004. Ses activités concernent l'alimentation, la sensibilisation et la formation à la transition écologique. En 2017, après 10 ans d'expérimentation, on a créé la première école de la transition écologique, Être, qui vise à former et accompagner des jeunes en difficulté au métier de la transition écologique. Les premiers résultats sont là. 160 jeunes formés par an, 80% de jeunes qui se sentent plus concernés par question d'éco-citoyenneté après être passés en formation chez nous, 100% des jeunes qui obtiennent leur diplôme de menuisier économie circulaire. Grâce à ces premiers résultats, nous visons le développement des écoles de la transition écologique Être partout en France. Nous nous donnons un objectif d'une école par région à un horizon 5 ans. Aujourd'hui, ce sont 5 écoles qui sont déjà en fonctionnement en France, et une quinzaine d'autres qui sont en portage de projets pour le développement en 2021. Pour que Être devienne, nous avons besoin de vous, et donc n'hésitez pas à nous appeler pour avoir plein d'informations. Ah, bravo et merci à Frédéric pour ce